suis Christophe Bézot, je suis mathématicien, je travaille pour Altran où je dirige une entité dédiée à la modélisation de systèmes complexes. J'ai commencé le projet Solar Impulse il y a 13 ans avec les tout premiers traits de crayon en modélisant le futur avion et aujourd'hui je dirige l'équipe Flight Strategy and Forecast qui est en charge du routage et de l'optimisation de la stratégie de vol du Solar Impulse. Au décollage de l'avion, on cherche à avoir calculé toute la trajectoire. Donc ça, c'est un moyen efficace pour gérer les risques, pouvoir anticiper les différentes situations qui peuvent s'avérer dangereuses et apporter des solutions. Changement de stratégie de vol, changement de routage, utilisation de plus de puissance dans une zone turbulente, par exemple. Voilà. Solar Impulse, c'est pour moi un bel exemple de ce que l'on peut faire en ingénierie. C'est d'abord la réussite d'une toute petite équipe finalement. Et puis c'est aussi technologiquement quelque chose qui fait rêver. Et quand on se souvient qu'il y a 13 ans, la plupart des experts disaient que la réalisation d'un avion capable de voler 24 heures sur 24 à l'énergie solaire était peut-être impossible. Ben voilà, cette petite équipe finalement a su aller au-delà des préjugés, aller au-delà de ce qui était conventionnellement admis pour réussir un bel exploit technologique. Alors petit, moi j'étais fasciné par l'astronomie. C'était quelque chose qui me faisait profondément rêver. Et puis les mathématiques, c'est venu un petit peu plus tard, peut-être vers 10-12 ans, où j'ai eu tout d'abord la passion des nombres. Mais je cherchais toujours à généraliser, je cherchais toujours à comprendre les règles qu'il y avait derrière les choses, les lois, comprendre la logique. Je voulais pas qu'on me donne un exemple, qu'on me dise « ça fonctionne comme ça ». Je voulais qu'on me dise la vérité de ce qu'il y avait derrière. Alors, modéliser, c'est de façon très basique, mettre la réalité en équation. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement riche parce qu'il y a derrière tout ça l'idée de généraliser, l'idée de comprendre, l'idée de pouvoir maîtriser, l'idée d'explorer et l'idée aussi de, un jour, d'ouvrir la boîte du modèle et d'aller encore plus loin pour expliquer des choses nouvelles. C'est extraordinaire, hein, c'est vraiment quelque chose de très très beau comme démarche. Je pense que pour réussir un diplôme d'ingénieur, il faut, au-delà des qualités classiques, on va dire de rigueur et de travail, il faut de la curiosité. Ça me semble extrêmement important. La richesse de ce qu'on peut faire dans l'ingénierie dépend de ses connaissances, clairement, et aussi de sa capacité à imaginer. Et la capacité d'imaginer est drivée par la curiosité. Je pense que pour trouver sa voie, il faut rêver et il faut vraiment sentir ce vers quoi on a envie d'aller, même si c'est difficile, même si c'est non conventionnel. Finalement, un bon point de repère, ce sont les rêves profonds que l'on a.